Salut les amis, comment allez-vous en ce samedi? Bon ben voilà, on change pas une équipe qui gagne. Aujourd'hui, retour dans ce milieu sauvage, ici, avec ce chant des oiseaux, comme vous pouvez l'entendre, et en compagnie de mon fils, qui vient juste de poser sa canne, ici, bon lui, poser sa canne au vert. Moi j'essaye au pain et au ver de terre. Et peut-être au maïs également tout à l'heure, j'en ai préparé. On verra bien. Voilà. Je viens juste d'arriver. On vient juste de poser les cannes. Et puis, bah, espérons que ça parte. Ça fait plaisir après le boulot de retrouver les milieux calmes de beau matin. Bon ben voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et voilà, et c'est parti pour mon fils. Mouline, resserre ton frein. C'est beau? Oh, ça m'a l'air d'être beau. Va doucement. Bon, ça part dans mon fil. Bon, plutôt ça passe en dessous, ça va. Va doucement. Ne le laisse pas aller dans la souche, là, surtout. Et mouline, 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 rapproche la bordure et mouline. Ne détends pas ton fil. Oh, c'est gros. Hein. Oh, dommage. Bon, bah, c'est un premier raté. Hein. Dommage. Il a tiré sûrement trop fort. Et voilà, les amis, ça y est, c'est reparti au ver de terre. Ça m'a l'air assez beau. C'est un gros chêne. Après le raté de mon fils, c'est dommage. Je pense que lui, c'était plutôt une carpe. Voilà, regardez. Un beau chêne. Ah, il y avait bien longtemps. Hein. Il est énorme. Je vais prendre l'épuisette. Ah, viens là mon pépère. Et voilà, c'est dedans. Ah, il est joli. Ça fait plaisir. Voilà le mastoc. Je vais mesurer. Il fait 46 le monsieur. Eh ben allez. On va le décrocher, on va le remettre à l'eau. Il a un gros ventre. Je ne sais pas s'ils ont frayé. Hop, ah ben voilà. Le bonhomme s'est décroché tout seul. Allez.
Bon, pour le remettre, bon, ouais. Effectivement, c'est un peu lourd. Je vais le tenter d'ici, doucement. Hop. Et voilà. Il est reparti. Regardez, je tenais en même temps à vous montrer quelque chose. Les hirondelles sont de retour. Voilà. J'espère que vous voyez bien la caméra. Ça, c'est super. Ça annonce les beaux jours. Bon, là, après ce chevesne, j'ai bougé de place. Bon, là, rien. Je pense que je vais me repartir au point de départ. Là où mon fils a raté cet énorme poisson. J'aurais bien voulu voir qu'est-ce que c'était. En tous les cas, c'était lourd. Hein. Dommage. J'ai mis les deux lignes au vert. Pour l'instant, plus rien. Plus une tape. On fait pas de petits chevesnes aujourd'hui. Je pense que je vais me retourner là-bas où j'étais en arrivant. Bon bah écoutez les amis, plus une touche, rien. J'ai tout essayé, faire deux terres, hein. Maïs, rien. Là, je ne vois plus rien. Je vois même pas d'activité de petit en surface. Bon. Bon allez, je vais pas me décourager. J'ai replié le matos et j'ai repassé tenter ailleurs. Bon ben voilà, je suis repassé ici, un autre petit cours d'eau associatif. Hop, l'eau a bien baissé. Qui sait, j'ai redéposé mon fils au passage qui souhaitait rentrer. Bon, j'ai pris ma simple ligne à truite. Hein. Commence ici, là, j'ai du pont, bord de route. On verra bien. Sur la route là. Je vais aller un peu plus haut. Ah, les amis, eh ben regardez. Là ça part. Une jolie truite. Bon, j'ai pas pris d'épuisette. Hein. Arc-en-ciel. Voilà, bon maintenant je peux dire que je l'ai. Hein. Ouais, désolé Pascal, l'épuisette elle est dans la voiture. Ben voilà, ouais, attendez. Après un raté de mon fils dans l'autre rivière, j'ai fait un beau chevesne.
un chub comme dirait celui-ci. Puis regardez, presque en arrivant, une jolie truite. Nouvelle touche, ça part. Je sais pas ce que c'est. Bon, je m'approche pas trop de la bordure parce que vous avez remarqué, l'eau est de oh là, devenue très claire. Une belle touche là. Ça c'est du petit ça. Voilà, avec les branches. C'est sans doute du petit. Allez. Alors un peu plus haut. Ah, là ça ressemble un peu plus à une touche. Ah oui, là, ça c'est pas du petit ça. Vous voyez? Oula, attention aux branches. Bon, bah, c'est raté, hein. Alors, on remet un ver de terre.